Bonsoir tout amis YouTube de yo. Je dis à n'ap chita ensemble avec vous dans une série de questions sur le salut. Nous demandons Seigneur capable de couvrir nous avec grâce. Première question à poser, combien d'éléments qui gagnent dans le plan salut? Dans le plan salut, il y a gagné 10 éléments. Là-dedans, nous gagnons conviction, repentance, conversion, foi, conversion, pardon, justification, nouvelle naissance ou régénération, réception de l'esprit, certitude du salut. Mais exactement qui sa conviction péché a yé? Conviction péché a, c'est un premier élément qui gagne dans le salut. Hein? C'est une prise de conscience personnel du péché et de certitude d'être coupable devant Dieu dans Jean 16 verset 8 là. C'est une prise de conscience personnelle. Deuxième élément qui s'allie. Deuxième élément, c'est ça le repentance. Repentance c'est même qui s'allie. Repentance son changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du péché et de Dieu avec les regrets profonds de l'avoir offensé. Dis ceci dans un mot grec qui c'est métanoïa, qui signifie changement de disposition, de Corinthiens 7, verset 10. Un changement de conception. Troisième élément, c'est qui s'allie? C'est ça, il est confession. Ça fait troisième élément qui est en place à lui. Son acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses sentiments intérieurs avec tristesse, regret. Il se tient au mot grec qui c'est homologéo, qui c'est reconnaître, dire la même chose et Dieu dans Jean chapitre 10, premier verset 9. Maintenant, nous gagnons ce quatrième élément qui c'est foi. Nous gagnons 10 points bon, mais la bonne ratio après. 10 fois lui-même, c'est confiance totale en Dieu, le Créateur ainsi qu'en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, unique Sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier le péché. Nous avons 4 éléments toujours. Nous avons pour une bonne ratio pour que vous soyez capable d'avancer ensemble avec nous. Pas oublier. Abonnez la chaîne là pour plus vidéos sur le plan spirituel.